Et coucou tout le monde et bienvenue au Salon du Livre de Cuisignan qui a eu lieu les 16 et 17 septembre 2023. Donc bah là nous sommes le 16. Nous sommes le 16 septembre, c'est la première journée, il y a encore plein de cookies, il y a encore plein de bouquins et de goodies et qui n'attendent plus que vous. Voilà. C'est complètement hétéroclite puisque j'éclate de tout. Il y a de la jeunesse, il y a du feel good, il y a de la dark fantasy, fantastique. J'ai des nouvelles, soit policiers, soit romantiques. Et de l'autre côté, là on passe dans la maison d'édition dans laquelle je suis directrice éditoriale. Le labyrinthe du Théia. Franchement, mais le pire c'est que je m'y étais pas assez intéressée. Je pensais pas être tentée par Evana. Et là, de le voir bien le résumé voilà. Et tout, je me dis... Oui. Ouais. Non, mais je comprends. Surtout quand ils sont jolis comme ça, je... Ah non, mais c'est clair. Parce que j'ai pris le pitch justement de l'autrice et tout. Hein. Je me dis, ouais, parce qu'en plus, elle a une écriture très lyrique. Ça peut peut-être des fois ne pas plaire, mais c'est un one shot. Ah, mais moi, j'aime bien tout ce qui est lyrique. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit du surlourd, voilà. Mais j'aime bien ce qui porte un peu, quoi. J'aime pas quand c'est trop terre à terre. Evana naît entre les mains de son créateur, professeur. Elle grandit sous ses enseignements et développe son identité. Deviendra-t-elle la princesse en détresse que professeur tente de façonner ou s'éloignera-t-elle envers et contre tout d'un chemin qu'on espère tracer pour elle? Toute sa vie, Evana, guidée par les fils qui la maintiennent debout et les couleurs qui l'animent, devra apprendre. Apprendre à se battre, à trouver sa place dans un monde qui ne nous souhaite pas forcément du bien et dont les ombres attrayantes murmurent des mensonges. J'ai deux manières d'écrire. Une, carrément l'imaginaire, ma passion, l'histoire, la mythologie. Et d'un autre côté, les faits d'actualité qui me blessent. Par exemple, il y a eu un moment donné où il y avait les féminicides qui se répétaient chaque jour. Donc il a fallu que je fasse un livre là-dessus. J'ai pris l'histoire de ma maman qui avait des parents d'après-guerre et que son père avait dû faire des choses pendant la guerre et il noyait tout ça dans l'alcool. Et donc à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il y avait la clé dans la porte, elle se cachait dans l'armoire et elle a passé pratiquement toute son enfance dans l'armoire. Et donc ça tire sur un féminicide, mais avec une touche de surnaturel dedans. De l'autre côté, il y a Mississippi, au-delà des couleurs. C'est un enfant noir qui s'échappe d'un camp de coton et il trouve refuge dans une maison coloniale où, à l'intérieur, il y a une dame aveugle. Donc tous les préjugés tombent entre ces deux personnages et toujours un côté surnaturel dedans pour un côté léger.
Ensuite, il y a Novice sans ailes. Là, c'était plutôt un exutoire pour moi. C'est la mère de famille qui décède dans un accident de voiture. Et l'ado, le fils, il est obligé de vivre avec son père qui est aveugle. Donc, c'est une histoire de sacrifice entre eux. Et d'un autre côté, ben, y a une saga, dernier cycle, mythologie, où j'ai essayé de rassembler tous les genres que j'aimais. Donc, c'était un véritable casse-tête que je ne recommencerai pas, parce qu'il fallait tout que ça tienne. Mais c'était formidable, parce que j'ai pu mettre 20 ans de recherche dedans. Ensuite, y a un thriller. J'avais envie de tester le thriller surnaturel, où on est obligé de chasser le diable. Ensuite, il y a Un amour sans époque. Donc, c'est une romance sur deux époques. Là, d'ailleurs, je viens de terminer le tome 2 de la duologie. Et Anaria, gardienne de Poséidia, c'est une histoire où le nazisme rencontre l'Atlantide. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche plus de la fantaisie, on va dire. Pour terminer, Miss Hermione et le voleur de rêves, où Jules Verne part à la rencontre de Charles Dickens avec son Oliver Twist. Et ça fait une histoire originale pour les enfants. J'avais envie de rendre hommage à ces auteurs parce que c'est les premiers que j'ai lus quand j'étais enfant, à part les bandes dessinées. Voilà un peu tout mon univers, on va dire, en quelques mots. On commence par l'amulette maudite. On suit l'histoire d'Alixia, elle est égyptologue, elle vient d'être nommée au musée du Louvre. Et on lui confie une mission, celle d'autopsier une momie qu'on vient de retrouver dans le temple d'Abou Simbel. Associée à cette momie, ils vont découvrir un nouveau tombeau et dans la vallée des rois. Et en fait, on va lui confier cette mission, explorer ce tombeau pour découvrir le lien entre la momie et le tombeau retrouvé récemment. Et en fait, dans ce tombeau, ils vont découvrir une mystérieuse amulette qu'Alixia va toucher. Et en touchant cette amulette, elle va être plongée dans le passé, au temps de la cour du pharaon Ramsès VI. Il va lui arriver pas mal de choses, elle va se retrouver confrontée au meurtre du prince héritier Orion et va devoir sauver la vie de la jeune Neia. Et le deuxième, du coup, c'est plus dystopique. Alors, dystopie, là, on va être sur les îles de Seine. Les îles de Seine, elles sont gouvernées par un gouvernement assez démocratique, sauf une ville qui s'appelle Dictate, qui est sous le joug des dictateurs, et notamment d'une dictatrice assez cruelle qui s'appelle Victorine. Victorine, son objectif, c'est de prendre le contrôle de l'ensemble des îles de Seine. Et pour ça, elle a à sa disposition une molécule qu'on appelle l'autoricia, qui lui permet en fait de prendre le contrôle de l'ensemble de la population. Et l'objectif de Dessa, l'héroïne de roman qu'on retrouve sur la couverture, c'est de mettre fin à l'autoricia. Et pour ça, elle va s'infiltrer au sein de la cité Dictatoria, mais elle va se faire prendre et elle va être faite prisonnière au sein de la prison Dictatoria. J'en dis pas plus, je laisse un peu le suspense. Bonjour, du coup moi c'est Alexa, présente au salon de Busignan. J'ai deux univers différents. Donc on va avoir ici la fantasy avec Nolan et Swain qui sont en tome unique. Il y a également une trilogie juste derrière qui existe, qui n'a pas la place d'être mise sur le stand, mais qui a le mérite d'exister, que je peux montrer en... Voilà, ça c'est la couverture du premier tome de l'Odyssée des deux mondes. Donc tous mes romans fantasy partagent le même univers. On y explore la thématique de la différence à travers des personnages qui sont nés différents, c'est-à-dire nés avec des dons dans le monde, dans la partie du continent qui ne les tolère pas, et qui vont devoir composer avec cette différence-là, et avant tout, avant de se faire accepter par les autres sacs eux-mêmes. Et ensuite, on va avoir Everlight West, où là on bascule sur un tout autre univers, on est sur du thriller psychologique fantastique, et cette fois on est sur de l'inspiration, donc manga animé, Death Note et Psycho Pass essentiellement. Dans Everlight West, on a une duologie, donc l'histoire principale, et ensuite un hors-série. Dans l'histoire principale, on suit l'aventure de Ever, donc qui est détective neuroatypique. Cette fois-ci, on explore la différence à travers un personnage qui est autiste Asperger, qui est pas mal d'ailleurs inspiré du personnage de Elle dans Death Note, pour ceux qui connaissent l'univers, et qui va devoir mener son enquête entre notre monde et une dimension parallèle qu'il découvre au fil de l'histoire, avec deux particularités. La première, c'est qu'on a une mise en page de temps en temps qui est un petit peu spéciale. C'est-à-dire que ce sont des personnages du roman qui sont ce qu'on appelle autoconscients.
Ils sont en fait conscients d'être des personnages de fiction, ils savent qu'il y a un lecteur derrière et ils vont s'amuser avec justement ce qu'on appelle briser le quatrième mur, ce qui se fait beaucoup en jeu vidéo et un petit peu en film également, par exemple Deadpool, c'est l'exemple que je prends. Et avec ces personnages-là, du coup, on va créer une interaction avec le lecteur puisqu'ils savent qu'il y a un lecteur derrière. Et la plus grosse particularité, c'est qu'on a tout un univers étendu, donc on a un petit QR code à la fin de la partie 2 qui clôt en fait l'aventure. Et le jeu vidéo en fait s'appelle Reality Insight. Il y a la petite tablette qui affiche un peu de quoi ça parle. Reality Insight, en fait, c'est un jeu d'énigmes interactif qui est relié à l'histoire, qui demande de s'appuyer sur l'histoire avec les petits indices qu'il y a à l'intérieur pour progresser d'énigme en énigme. C'est pas la suite de l'histoire, c'est vraiment un plus qu'on propose au lecteur si jamais il veut. Et ensuite, on a donc le petit hors-série qui raconte la toute première enquête du détective, qui est ma dernière parution en date. Voilà. Là, il n'y a pas du tout de fantastique, on va vraiment s'axer sur la première enquête du détective et on est plus sur le côté jeu du chat et de la souris qu'on peut retrouver dans le thriller psychologique. Et du coup, petit teasing de ma prochaine parution qui s'appelle Tales of Charity, qui va être de la fantasy jeunesse en trilogie avec des petites illustrations à reconstituer et à colorier à l'intérieur. Voilà. Bonjour, je suis Scarlett Ecoffé, donc je suis chez Sudarène Édition et je vous présente mon univers, un univers qui reste fantastique. Donc nous avons une biologie vampirique, un heroic fantasy et un roman fantastique érotique. Donc vous avez la biologie vampirique qui va vous parler. Alors nous sommes sur des vampires qui sont un peu plus à la Dracula ou encore à façon Lestat, donc des vampires anciens. Vous avez su l'histoire de Laurence, qui était un homme ordinaire il y a une dizaine d'années. Il était marié, père de famille, et il fait la rencontre de Jézabel qui a complètement bouleversé sa vie. Donc dans le premier tome, vous suivez une histoire entre passé et présent. Passé, comment il a rencontré Jézabel et comment il est devenu un vampire. Et un présent où on va le découvrir capturé et séquestré par le grand seigneur vampirique parce qu'il appartient à une lignée paria et parce que sa créatrice Jézabel fait ce qu'elle veut et ça ne lui convient pas. Donc il est retenu en otage pour la faire revenir et la capturer. Donc premier tome, donc on a le début d'histoire, et dans le second on va découvrir comment Laurence va s'émanciper de cette hiérarchie vampirique et comment il va faire pour pouvoir la libérer, et on va aussi découvrir les origines des vampires. Ensuite vous avez Le Monde d'Ancalus, donc c'est le premier tome, ce sera normalement une duologie. C'est un héroïque fantastique, donc dans le monde d'Ancalus, le dieu Antarus, le dieu de la corruption, a voulu faire le monde à son image, et pour ce faire il est rentré en guerre. Sauf qu'il a été arrêté par la Compagnie des Sept, une compagnie de demi-dieux, qui lui ont planté cette dague dans le cœur et l'ont mis en sommeil. Suite à cela, la compagnie qui était très fusionnelle s'est séparée. Sauf que le temps a passé, que le dieu semble se réveiller, ils vont devoir retourner au combat. Et le dernier, donc ça fait partie de la saga érotique, donc nous avons Eros, le dieu de l'amour, qui s'est fait larguer par Psyché. Il boit, il fume, il a plus confiance en lui, il est en PLS coupé, et il va croiser la route de Cassan, qui va lui réapprendre à être le dieu de l'amour. Et derrière toute cette histoire, qui est très légère, on va découvrir que sa relation avec Psyché n'était pas super, et qu'il y avait une forme de toxicité avec des violences conjugales de Psyché envers Eros. Donc il y a toute une construction dessus. Et les dieux grecs, ce sera une saga avec des one-shots où on pourra tous lire indépendamment des uns des autres. Bonjour, moi c'est Priscilla Lorca, donc je suis auteure de romans assez divers. J'ai commencé par ma saga Vampire Solitaire qui est terminée, qui est en 4 tomes. Donc comme Vampire Solitaire l'indique, hein, ça parle de vampires. C'est l'histoire de Anna Andolini, qui a été criminelle pendant de très nombreuses années. Vraiment, le vampire sans cœur, mauvais, cruel, et elle a fini par être punie, on va dire, pour ses crimes, parce que l'objectif est quand même de taire l'existence des vampires, du moins aux humains. Donc il est emprisonné pendant de nombreuses décennies, et finalement il se décide de la libérer, mais par contre la condition, c'est qu'elle récupère son âme, et là forcément ben, ça va créer un tumulte réel dans sa vie, parce qu'elle va perdre une parcelle en fait de sa mémoire de vampire, qui va petit à petit revenir à travers des cauchemars. Donc elle va être tourmentée pendant un sacré long moment, et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Nick Castle, qui est un humain dont la femme a été tuée par un vampire, mais bon, les vampires n'existant pas, enfin du moins, n'étant pas connus, on va dire, dans le monde des humains, bah, ça reste un crime, on va dire, mystère. Donc forcément, il va y avoir une romance qui va s'établir, et le côté attachant vient aussi par l'enfant, la fille de Nick qui s'appelle Emma, et elle va avoir pendant un court instant, on va dire, l'illusion d'être redevenue humaine, sauf que bah, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et au vu de son passif, les péripéties vont arriver, et toute sa vie va être basculée. Ensuite, il y a eu
un pas après l'autre. Alors là, c'est une romance contemporaine. Les prémices sont un peu violents dans le sens où c'est l'histoire de Johanna qui a été victime d'abus de son mari pendant très nombreuses années, que ce soit physique, émotionnel, psychologique. Et c'est après que son fils ait été frappé pour la première fois par son mari qu'elle se décide enfin de partir. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre, quand elle va justement retourner à ses sources, à sa famille qu'elle avait totalement délaissée. Là qu'elle va faire la rencontre de Caleb et que voilà, une histoire, on va dire, va naître entre eux. Et ensuite, ça, c'est le tout dernier qui vient tout juste de sortir, c'est Libéré de ses chaînes. Alors là, c'est un livre plutôt à suspense, toujours avec un fond de romance parce que c'est la partie que je préfère en toute objectivité. Là, c'est l'histoire de Diana, qui en fait, finalement, elle est née dans un sous-sol parce qu'il s'avère que son père est un tueur en série et en fait, elle est née de l'un de ses crimes. Donc elle n'a connu que ça, elle a vu une succession de femmes finalement dans ce sous-sol que son père a condamné à la mort de la plus horrible, enfin d'une des plus horribles manières. Et subitement en fait elle est secourue par un policier qui débarque parce que son père a finalement été trouvé. Et donc on va voir comment elle va évoluer et grandir dans ce monde qu'elle connaît pas. Et il y aura le policier donc qui est Nathaniel avec qui va se créer un lien un peu paternaliste, fraternel, avec qui elle va se sentir réellement en sécurité, combiné de l'adjointe du procureur qui est Lana. Et donc les trois vont former un trio assez touchant et virevoltant, parce que j'ai beaucoup de péripéties auxquelles on ne s'attend pas.
Bilan. Et d'ailleurs aussi peut-être bonjour. La politesse tout de même, Marie, la politesse. Alors, le bilan de Pusignan, bah, je vais dire mitigé. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, côté vente, bien sûr, c'est bien mieux que le cloître, mais en même temps, ça aurait été difficile de faire pire, puisque le Sadi au cloître, j'avais fait zéro. Je pense qu'on ne peut pas descendre en tout zéro, sauf pour le zéro absolu, oui, entre tardigrades, on se comprend. Mais j'avais un objectif de 10 ventes par jour, et je l'ai quand même pas atteint à Pusignan. Alors oui, ok, je sais très bien, je vois en fait les gens râler d'avance, sachant que j'ai fait alors 8 ou 9 le samedi, je vous dirai un petit peu plus pourquoi, et je crois que j'en ai fait 7 le dimdi. Je crois que c'était ça. Alors pourquoi 8 ou 9 le samedi? Du coup, soit 7 ou 8 justement le dimdi. Non, en fait, je vous le dirai peut-être plus tard. Bref, en tout cas, on a rentabilisé les stands, oui, j'ai bien dit les stands, puisque je rappelle qu'à Pusignan, j'avais bah, le mien hein, de stand à défendre, et aussi celui du labyrinthe de Théa. Je rappelle que c'est la maison d'édition dans laquelle je suis directrice éditoriale. Et comme toujours, hein, tous les petits liens sont dans la description de cette vidéo. Donc, c'était un petit peu compliqué, en fait, déjà, au niveau des deux stands, parce que je devais jouer un petit peu la caméléon, et que souvent, en fait, les gens ne comprenaient pas. Parce que le terme, en fait, directrice, ils sont du mal. Ah, éditrice, ça va. Auteur, autrice, ça va aussi. On a toujours, on va dire, des petits froncements de sourcils avec autrice, mais ça, ça passe. Mais alors, directrice. Combien de fois, justement, il y en a plein qui ont fait « Mais c'est comme les écoles ?» Ou aussi « Ah, mais vous avez pas d'ouvrage, du coup, dans votre maison d'édition ?» C'est pas ma maison d'édition. Tatiana va sortir le fouet. Hein. C'est pas ma maison d'édition. Après, j'ai bien aimé, on va dire, animer le stand dès l'été. Bon, déjà, parce qu'il était magnifique, le stand. Hein. Je vous rappelle un petit peu les photos du stand. Mais bon, vous êtes quand même normalement farci un petit peu toute la vidéo avant. C'est vrai que c'était très, très joli. C'est l'œuvre de Léo, hein, parce que c'est Léo, effectivement, qui décore toujours les stands, parce qu'il a ce petit côté artistique. Ce petit côté visuel que j'ai pas. Donc c'est vrai que c'était très très bien. Et en plus, vu que c'était au bord de la rangée, je pouvais facilement bouger, parce qu'il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Et c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de me mettre au milieu de plein de gens. Voilà. Parce que j'ai tendance à bouger, j'ai tendance à me lever, j'ai tendance à m'agiter. Je suis une vraie pile électrique. Sauf effectivement quand je vais mal physiquement parlant, mais ça allait. Là, j'avais pas forcément trop de douleur le samedi et le dimdi. Donc oui, j'étais quand même mieux sur le stand LDT pour bouger. Et je faisais un petit pas, de côté pour arriver sur le mien. Mais alors c'est vrai que le mien, peut-être aussi parce que je m'attachais peut-être trop aussi à LDT, parce que je voulais quand même qu'LDT vende des livres. Le mien, très souvent j'étais là, et puis voilà, et puis il y a les miens. Ouais, c'est pas très vendeur du tout. Non mais je sais, hein, je me jette complètement la pierre. C'est totalement ça. Bon, en tout cas, pour reprendre un petit peu le truc, arrivé donc le jeudi soir, vendredi, chez Tardigrade, c'était cool, il y avait l'organisatrice Céline, c'est Céline. Bien sûr, je n'ai pas vérifié avant, mais vous avez le droit de me frapper. En tout cas, très sympa, mais alors il y a un petit problème que j'ai vu tout de suite, c'est la prise. Voilà, il y a des câbles qui sortaient en fait du plafond en fait, et ça n'avait pas du tout été tiré vers les tables, sachant que j'avais payé un accès prise, LDT aussi. Alors c'est sûr que le dimdi, oui le dimdi, parce que le samedi on a oublié, go rallonge, le problème bah, c'est qu'on a un petit peu embêté les gens, parce que bah, il y avait un câble tout du long en fait. Par exemple, aux optimales, alors évidemment, encore une fois, c'est pas que je ne tape absolument pas sur l'organisation, c'est pour donner les exemples qui ont déjà été faits. Que ce soit aux optimales ou aussi à d'autres salons que j'avais fait, avec les personnes qui avaient demandé l'accès prise, en priorité étaient vers les prises, très souvent murales, pour éviter effectivement de descendre des câbles du plafond, puis aussi pour éviter que ce soit les accidents, que ce soit, on va dire, des... Moi, je trouve ça un peu, je vais pas dire dangereux, mais quand j'ai vu les câbles comme ça descendre du plafond, sachant qu'il y a de l'électricité qui passe, moi, ça me faisait un peu flipper, quoi. Voilà, j'avais un petit peu peur, même si, ok, il y a un électricien qui est passé, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, voilà, surtout quand bah, nous on est au milieu, donc on n'est pas contre le mur, donc forcément les câbles bah, passent sous les chaises, parce qu'au bout d'un moment, même si c'est derrière les chaises, on bouge la chaise, on soulève la chaise. Il y a aussi les kakémonos, donc les roll-up en fait derrière nous, faut pas non plus empiéter sur les voisins qui sont de dos, donc à voir comment justement les autres gens ont géré ça. En tout cas, c'est vrai que pour le coup c'était un petit handicap pour la prise. Mais dans l'obscurité, il y a toujours la lumière. Une personne m'a abordé jeudi soir, pensant peut-être que je la rejetterais. Moi, rejeter quelqu'un? À part effectivement mes pires ennemis, je ne vois pas pourquoi je rejetterais quelqu'un. Et puis mes pires ennemis, j'en ai pas beaucoup, ça se compte un petit peu sur les doigts de la patte. Bon après, sauf si vous êtes armé de caramel beurre salé. Moi, là, c'est vrai que ça se discute un peu. Alors, parce que son mari, Jean-Luc Coneza, apprécie mes vidéos, eh bien nous nous sommes rencontrés. Donc magnifique rencontre avec lui et sa femme Christine. Donc c'est un auteur, hein, et normalement, si justement vous n'avez pas switché le magnifique vlog réalisé par Léo, vous avez pu entendre son interview. Donc vraiment très très belle rencontre.
Et c'est vrai que déjà en salon, j'adore rencontrer les gens, j'adore, on va dire, le plan social du salon. Et en plus, que ce soit de parler avec les gens dans le sens qu'ils me parlent d'eux, qu'on parle d'écriture, qu'on parle des familles, qu'on parle aussi de moi, pourquoi pas, ou de mes vidéos. Vraiment, mais peu importe, faut vraiment pas hésiter en fait à m'aborder sur les stands. Je suis quelqu'un d'assez jovial, je suis quelqu'un de sympa. Voilà, je suis quelqu'un qui des fois est un petit peu aussi timide, donc j'ose des fois peut-être pas forcément aller vers les gens. Mais normalement, je fais toujours le tour de tous les stands, dans toutes les salles, puisque je n'ai pas oublié aussi hein, les auteurs et les autrices dans la salle Jules Verne. Donc voilà, vraiment, faut pas hésiter. Je ne rejette personne et normalement, je vous accueille avec le sourire. Bref, let's go le samedi. Bon, alors c'était calme hein, le matin, il y avait un peu plus de gens l'après-midi, mais surtout, ce qui m'a... Déjà aux optimales, ça m'avait fait bizarre, mais bah, c'est que j'ai rencontré des fans de la chaîne YouTube, des personnes qui venaient du coup pour Tata Nexua. Sur le coup, ça fait très très bizarre, bon, c'est gentil, hein, vraiment j'apprécie beaucoup, mais du coup les gens venaient juste pour voir Tata Nexua en vrai, prendre quelques petites photos et tout ça, avoir un petit mot avec ma petite signature de Tata Nexua, parce que oui j'ai une signature pour Tata Nexua, mais mes livres ou ceux de LDT. Alors peut-être parce que j'ai pas aussi des bonnes techniques marketing, ça faudra que Marie Faucheux ou aussi Elodie... Fredwell, si je le prononce bien, chez LDT, m'aide un petit peu pour ce côté-là, parce que je suis archi nul en marketing. J'aime bien donner des conseils aux autres pour qu'ils vendent, et chez les autres d'ailleurs, ça marche très très bien. Mais moi, je sais pas, de toute façon, comme on le dit, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est exactement ça. J'arrive beaucoup à vendre pour les autres. C'est vrai que par exemple, pour vendre des ouvrages LDT, donc Malgré ma mort de Nirinao et Evana de Justine CM, mais franchement, j'avais moins de soucis que pour les miens. C'est-à-dire que quand on me parlait des thèmes à aborder dans Evana, mais j'étais capable de ressortir le pitch et tout ça, en plus, j'avais bien révisé, j'en avais bien parlé avec l'autrice, j'avais fait en plus un book trailer et tout ça. Et puis arrivé au mien, oui, donc c'est un ouvrage non-fiction, je contrôle la situation, et ça parle de voilà. Parfois il y a eu des blancs, c'est un petit peu problématique. Mais je pense qu'on vous voit, au bout d'un moment ça va peut-être se faire. Là c'est vrai que c'était la première fois que j'animais deux stands, et celui en plus d'LDT, c'était vraiment la première fois justement en salon. Je pense qu'après ça ira mieux. En tout cas, bah, j'ai croisé du coup bah, des gens qui suivent ma chaîne. Il y en a même un qui a acheté Evana, donc merci beaucoup. D'ailleurs, j'espère que la lecture vous a plu, ou t'a plu. Le pitch que j'ai fait, effectivement, a intrigué. J'ai croisé aussi un futur auteur de LDT, du Labyrinthe de Théia aussi, bah, qui habite, en fait, pas très très loin, et qui s'est dit « Ah, mais en fait, t'es à Pusignan, bah écoute, je passe. Comme ça, je te rencontre en vrai avant la réunion visio. Bah, » C'était sympa. Et puis, bien sûr, je vais parler maintenant des gens, puisque, comme je l'ai dit, bon, en termes de vente, j'ai pas atteint mon objectif. Alors, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, mais bon, tu crânes et tout, moi j'ai vendu que deux livres sur le week-end, en vendre beaucoup plus, c'est génial. » Bien sûr, je ne dis pas le contraire, je parle vraiment d'objectifs personnels, car je le rappelle, moi j'aime pas, on va dire, les comparaisons entre X, Y ou Z, surtout qu'en plus, on n'a pas le même bagou, on n'a pas, on va dire, la même ligne éditoriale, entre guillemets, on n'écrit pas la même chose, on n'aborde pas les mêmes thèmes, on n'est pas du tout là pour dire « Ah non, mais franchement, machine, elle a vendu 17 bouquins, ah oh là là, mais son livre est extraordinaire !» Peut-être que oui, peut-être que ce sont vos goûts, peut-être que ce sont pas les miens. Je ne suis absolument pas là d'ailleurs pour juger. Moi j'avais un objectif de vente de 10 par jour, je l'ai pas atteinte. Bah c'est pour ça quoi que ça me... Voilà, oui j'aurais peut-être dû mettre que 5 par jour, comme ça j'aurais pu m'applaudir. Mais voilà, je m'étais fixé un objectif et pas accompli. Alors pourquoi 8 ou 9 par rapport au Sadi? Alors c'est très simple, c'est parce qu'il y a un ouvrage, donc normalement je fais mes comptes et tout, je note sur mon carnet, d'ailleurs un super carnet offert par ma maman de cœur Carichou, merci beaucoup, les ventes. Et en fait, le lendemain, quand j'ai recompté justement les ouvrages, non mais attends, il y a deux livres justement qu'on a vendus hier, et je savais justement les titres, je les avais notés. Mais je sais pas pourquoi à côté, j'avais mis un x2 et pas un x1. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que celui dans la journée, je l'avais déjà compté, ou est-ce que c'est parce que je ne l'avais pas compté? Et forcément, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je n'ai pas fait l'inventaire. Donc du coup, je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. Je pense, hein, je pense, mais c'est vrai que, voilà, après je l'ai remis au dimdi parce que je me suis dit peut-être que c'est pas ça. Faut me comprendre aussi, c'était un petit peu tard, etc. Mais restez hein, au salon jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, les auteurs et les autrices, ça je vous en parlerai pour le dimdi, il y a des ventes qui peuvent se faire dans les 5 dernières minutes. Vraiment, c'est important. Alors je sais bien que des fois, y en a qui ont des trains à prendre, des fois, voilà, je le comprends tout à fait. Mais personnellement, pour ma part, les personnes qui commençaient à remballer tout ça, ça m'a servi. Donc je peux dire merci. Bon, ça ce sera
pour le Dimdi, je vous raconterai justement après. En tout cas, bon, petit tour des gens, quand même, des gens, parce qu'au niveau bilan social, mais alors là, mais j'ai envie de mettre des cœurs partout, même si je suis habillée en noir, c'est vrai que j'aurais dû m'habiller peut-être avec un petit truc rose, je n'ai pas de truc rose, peut-être un petit peu de rouge, quelque chose qui rappelle la passion et l'amour, parce que alors, franchement, vous êtes des amours. Les auteurs, les autrices, les bénévoles, les organisatrices et organisateurs, oui, parce que, alors, je sais qu'il y a deux femmes, j'ai vu justement... deux femmes, il y a Violette Subrose qui est aussi autrice au passage, j'ai vu Céline, il y avait aussi, mais je crois que c'était des bénévoles hein, les hommes, oui je sais, la prochaine fois je ferai attention. De toute façon il y a des articles dans les journaux, bon pas pour moi encore une fois, il y a une super photo, on me voit pas mais c'est normal, c'est là pour le coup c'est moi, je me suis un petit peu cachée parce que j'aime pas sur les photos de groupe comme ça, j'aime pas me, on va dire me révéler, me dévoiler, moi j'aime bien être derrière, mais apparemment des gens comme Drooping, à savoir CTLM, hein, il y a CTLM, m'a trouvé. Les auteurs donc, il y avait Jean-Luc Coneza avec sa femme Christine, donc déjà très très belle rencontre. Léo m'a acheté les livres, donc justement je vous montre effectivement les premières de couverture, bah ça rejoint ma palle, hein, bien sûr, évidemment. Surtout qu'en plus, l'idée justement de me faire un cadeau, enfin, déjà pourquoi un cadeau, bah, je vous lirai après, il faudra suivre justement jusqu'au bout. Et j'avais dit à Léo, bah écoute, tu regardes justement, tu fais ton petit tour et tu t'arrêtes sur bah, la couverture qui t'attire le plus, celle on va dire qui attire un petit peu l'œil, et bah forcément... Il y a une couverture qui lui attire l'œil et je comprends tout à fait parce que c'est, on va dire, un petit peu dans le style qu'on aime bien. Dans le style justement qu'on aime bien, que ce soit lire ou même voir, entre guillemets, dans les séries, les films et tout ça. C'est vrai que le style, on va dire, d'habit, les couleurs, oui, je comprends totalement que, voilà, que ça a tapé dans l'œil. Bref, j'ai recroisé mes anciennes collègues, comme je dis, de livresque. Certaines avec qui j'ai échangé plus que d'autres, bah, déjà parce que géographie de stand, hein, c'est sûr que les personnes qui sont juste derrière, je leur parle peut-être plus que Mélanie Barranger qui était dans l'autre salle. D'ailleurs, merci hein, Mélanie, effectivement, de passer de temps en temps vers nous. Comme ça, on peut se faire des petits bisous, des petits câlins. Gaïa, que j'ai enfin rencontré en vrai. Hein, Gaïa Tamron. Tamron, hein, c'est Tamron. Non, mais moi et les noms, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. J'espère que ça se prononce comme ça. Ensuite, Anne-France Rousse. Franchement, déjà, bah, cœur sur vous deux parce que bah, je vous avais pas vu en vrai. Et bah, vous êtes exactement comme je le pensais. Dans le sens, l'image justement que vous renvoyez sur les réseaux sociaux, des êtres sincères, sympas, joviaux et tout ça. Non, franchement, je vous adore. Ensuite, Lynn Amelia Lewis, si c'est bon. America Grace. Franchement, là, pour le coup, j'ai réussi à en faire accent. Donc, Mélanie Barranger, bien sûr, Mélanie Barranger, que je connais depuis l'anthologie Une goutte de trop, donc ça date. Anthologie, d'ailleurs, il me reste encore quelques exemplaires que je brade, là, parce que, bah, je vais dire, entre guillemets, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je dis ça, entre guillemets, parce que bah, ce sont des ouvrages qui sont un petit peu stockés. Je me vois pas les mettre dans les boîtes à lire, parce que, bah, je pense que personne n'en voudra. Oui, je sais qu'on peut, au bout d'un moment, les mettre à la poubelle, mais ça me fend un petit peu le cœur, donc je sais pas. C'est un petit peu d'ailleurs comme l'anthologie Abomination. Abomination, il m'en reste encore pas mal, et même au niveau horreur et tout ça, même dans les salons qui sont un petit peu portés là-dessus, ça part pas. J'ai bien sûr revu donc Marie Faucheux. Ah, Marie Faucheux, la chouette. Voilà, la chouette autrice, la chouette tout court. Vraiment, mais c'est toujours de toute façon une excellente rencontre avec elle. Bah, les chroniqueuses, Imagine Encre. Si, et bien sûr Solis The Book, parce que je l'avais un petit peu oublié sur un post Insta. Valérie Brun, que j'avais justement vu à Saint-Martin-d'Air. J'ai pas en mettre hein, le lien du vlog de Saint-Martin-d'Air, mais voilà, c'est vrai que c'est marrant de se revoir hein, quelques années plus tard. Anne-Marie Quintard, bien sûr, bah, que j'avais vu aux Optimales, la maison d'édition La Faucheuse des mots avec Beth Holland, les éditions Octokill, c'est la première fois aussi que je voyais les éditions Octokill en salon, et bah, déjà j'adore, en plus ils sont justement dans le coin à côté de Lyon, je parle. Donc voilà, avec Sarah et ses camélias. Normalement c'est bon. J'ai aussi croisé donc Oretza Dantes, une très chère effectivement amie à moi, donc le Sadi. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah bah il y a, oui, derrière moi, je ne me souviens plus justement du nom, c'était quelqu'un qui avait écrit un ouvrage, c'était au Brésil. Je me souviens de la couverture, il y avait un oiseau vert, c'était vraiment des teintes Brésil, vacances, etc. Je me souviens plus du nom. Le Sadi, il y avait justement des auteurs de Pola, mais après qui se sont déplacés parce que bah ils estimaient qu'ils étaient mal placés. Et à côté d'eux, il y avait Édition du Sable et des Cailloux, qui publie Les Jeunes. Et pourquoi justement je voulais placer un petit mot et en parler un petit peu, tout simplement parce que moi j'aurais adoré avoir ça à mon âge, parce que j'écrivais beaucoup, hein. Je me rappelle que j'ai terminé ma première novella, ben, j'avais 7 ans.
Voilà. Et bah, personne, entre guillemets, voulait me publier parce que j'étais trop jeune. C'est vrai que souvent, les mineurs, souvent, même encore plus maintenant, voilà, il y a pas mal de trucs à respecter, tout ça. Les maisons d'édition sont un petit peu frileuses. Mais là, franchement, Édition du Sable et des Cailloux, j'hésitais en plus hein, à acheter un ouvrage parce que bah, il y avait quelques jeunes donc, qui venaient sur mon stand. Ouais, parce que j'ai nourrissé un petit peu les cookies, le banana bread, tout ça, bien sûr. En plus, c'est fait maison. Non, mais bon, blague à part, c'est vrai que j'ai hésité parce que je trouve ça génial en fait de booster et de motiver les jeunes à écrire, à, on va dire presque à s'épancher, mais dans le sens à s'exprimer à travers justement leur plume. Franchement, mais je trouve ça génial, donc vraiment, mais bravo et merci à vous. Bon, les bénévoles, hein, toujours au top. D'ailleurs, merci beaucoup de passer aussi avec les poubelles, mais bon, même si moi, maintenant, j'ai un petit peu un sac poubelle et tout ça sur moi, et qu'après, je vais directement à la poubelle, de passer. Bon, il y avait aussi un petit chariot avec à boire et à manger, mais c'était payant pour nous après 10 heures, donc... non, non, finance oblige, je n'ai absolument pas craqué du tout. Ensuite, c'est vrai que bah, j'ai croisé Eric Couder, et ça, justement, bah, c'était très, très, je veux dire, très, très beau, dans le sens rencontre, parce que j'ai pu croiser Anna Wendel, Anna Scott, Tessa Wolf, voilà, ce sont des autrices soit que j'admire, soit des fois ce sont aussi des collègues. Bien sûr, le stand de Rebelle Édition, j'ai pas mal d'ouvrages de Rebelle Édition, et c'est vrai que Brigitte, bah, je crois que je la crois sur pas mal de salons, en fait, bien sûr. Après, il y avait aussi un stand de maison d'édition, j'ai plus le nom, où il y avait une petite chauve-souris et tout posée sur les livres, c'est dans la salle Jules Verne, j'avais trouvé ça trop chou et trop mignon. Il y avait aussi une autrice qui écrivait de la romance très très sympa, et il y avait aussi, et donc ça pour le coup je suis vraiment navrée parce que je suis persuadée d'avoir récupéré une carte de visite, je suis persuadée de l'avoir mis dans mon classeur et elle n'est pas dans mon classeur, c'est pour ça d'ailleurs que je sors pas, et c'est aussi pour ça que je suis très frustrée parce qu'il y avait un auteur, et d'ailleurs je crois qu'un auteur qui connaît Valérie Brun avec qui j'ai super bien discuté, parce qu'en plus son fils, parce que je crois bien que c'est son fils, il écrit aussi, il avait aussi des ouvrages donc de son fils sur le stand. Je n'arrive plus à me souvenir du nom, et quand j'ai vu la liste, parce que et je l'ai fait quand même un petit peu mon travail, à savoir j'ai regardé la liste des exposants et des exposantes à Pusignan, impossible de le retrouver. Parce que pour moi ça finissait en O ou en I son nom, alors c'est peut-être Fink quelque chose, donc peut-être que c'est justement cette personne-là, mais pour moi c'était pas Fink, mais ça se trouve c'est moi justement qui confondu le nom, ou c'était peut-être été mal écrit, mais pour moi c'était pas ça. Et du coup bah, j'ai perdu la carte de visite. Parce que j'aurais bien voulu aller voir un petit peu les bouquins. Et bon, si justement il voit cette vidéo, merci de me rappeler un petit peu le lien du site. Et je vous rappelle pour que YouTube ne vous bloque pas, parce que YouTube bloque les liens, ne mettez pas les 3W ou le HTTP, mettez juste le nom, voilà, le nom du site ou autre, et après moi je me débrouille. Bon, en tout cas c'était très calme le samedi, passons quand même un petit peu au dimdi, à savoir le jour de mon anniversaire. Et oui, le 17 septembre, première fois que je fête un anniversaire en salon. Alors déjà, merci à mes super voisines hein, du stand de Sudarène Édition. Et aussi, je vais faire quand même un petit bisou à Juliane Viricelle, parce que voilà, elle était juste à côté de nous, et puis parce qu'elle était toute chou, elle était toute mignonne. Et à Alexane Goutte. Ça va aller avec les noms. Je me souviens aussi de Priscilla, et il y avait aussi Scarlett. Je ne me souviens plus des noms de famille, mais c'est pas grave, j'ai à peu près retenu déjà vos noms. Je pensais en fait que tout le monde allait oublier mon anniversaire, parce que vu que je suis en salon, j'étais pas forcément sur les réseaux pour le rappeler et le dire, mais en fait, j'ai de super voisines qui, quand elles ont appris que c'était mon anniversaire, elles ont été très 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 discrètes, et bien sûr, elles n'ont pas du tout commencé à chanter joyeux anniversaire en plein salon. Non. Alors c'est sûr que je me sens toujours un petit peu gênée, mais au moins tout le monde le savait, et d'ailleurs merci aussi beaucoup à Virginie Zacharian-Clavier, d'ailleurs je n'avais pas parlé d'ailleurs de Virginie tout de même, Zacharian-Clavier pour la petite douceur, voilà, le petit cadeau d'anniversaire, c'était très très gentil, c'était vraiment mais très très adorable. Je crois que normalement j'ai à peu près fait le tour des personnes croisées, on était quand même assez nombreux et nombreuses, en tout cas c'est sûr que c'était pas mal du tout, mais voilà, même s'il y avait beaucoup de visiteurs, d'après justement l'article, il y a eu beaucoup plus de visiteurs que la première édition, à savoir 500 visiteurs plus, j'ai pas vraiment senti les 500 visiteurs. C'est dommage, hein, mais bah, c'est vrai que pour ma part, je n'ai pas vu 500 personnes passer dans l'allée justement où on était. Il n'y en avait pas 500. Hein. Alors oui, je pense que la moitié, ouais, je pense qu'on a vu facilement la moitié, mais je pense que malheureusement les autres, bah, soit étaient peut-être dans l'autre salle, malheureusement, comme toujours, s'arrêtent au début, parce que vu la configuration de la salle, bah, par exemple, ils foncent vers les personnes effectivement qui veulent voir, et ben ça se comprend aussi, hein. C'est clair et net que moi aussi, des fois dans des salons, je viens pour une personne, bon après je fais quand même un petit tour, comme d'ailleurs un très cher lecteur, merci beaucoup, hein, je le remercie, il cherchait en fait Nathalie Bagadet qui n'était pas là, qui était au Mangalaxy à Valence, si je me souviens bien.
bien. Mais finalement, il a refait un petit tour, il m'a revu et il m'a acheté un ouvrage, donc merci. Enfin bref, voilà, oui, je pense, parce que sinon après le bilan va être un petit peu trop long. Donc merci beaucoup à ceux et celles qui ont fêté mon anniv. Merci aussi parce qu'il y avait beaucoup plus de monde le dimdi, c'est quand même plutôt animé. Le bilan social, très très positif. J'avais vraiment mis de super voisines, c'était très très bien. Et puis j'ai pu croiser d'autres personnes et tout ça en salon, c'est toujours un véritable plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça, et n'hésitez pas à checker, bah, comme toujours, les liens justement des auteurs et des autrices en description de cette vidéo. Voilà, c'est la fin justement de ce vlog salon. Le prochain, je sais pas quand est-ce que ce sera de salon, va peut-être falloir que je m'inscrive en fait à des salons. Je vais me dépêcher un petit peu, surtout qu'en plus j'ai des sorties livresques normalement en fin d'année et l'année prochaine. Donc ouais, je vais me grouiller. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu spéciale. Enfin, peut-être pas la semaine prochaine, la semaine d'après, on verra, mais on parlera de... Ouais, on parlera d'un petit sujet tout d'actualité. Des bisous, très chers tardigrades. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.